Aujourd'hui, nous sommes à Changshou Island. Changshou Island, actually. Et on va faire voler le drone. Et on va aller manger dans un petit restaurant français dans cette petite île qui se trouve à 30 minutes de Hong Kong. Allez, suivez-moi, on va partir pour une petite balade. Comme toutes les petites îles de Hong Kong, Changshou ne fait pas exception. C'est une petite île de pêcheurs. Il y a tout un tas de restaurants de poissons. Trouver ici, perdu au fin fond de l'île, un restaurant français qui fait des crêpes bretonnes. Alors ça, c'est le genre de truc, il y en a partout à Hong Kong, ce sont des aires de pique-nique. Et en fait, les aires de pique-nique à Hong Kong, elles ont pratiquement toutes des barbecues. Là, par exemple, c'est super mignon, tu vois. Et juste là, tu vois, mais il y en a plein, il y en a là-bas aussi et tout. Mais juste là, tu vois, pareil, par exemple, ça c'est aire de barbecue. Bon, là c'est fermé. À cause du Covid et compagnie, ils les ont cadenassés. Mais normalement, tu es censé pouvoir venir ici en famille et faire des barbecues. Et il y en a, et il y en a plein partout à Hong Kong. Juste en dessous de nous, là, on va y aller, il y a une espèce de grotte. Ah ouais, et a priori, il y a quelqu'un qui habite dans la grotte et qui fait sécher son linge, là. Je sais pas ce que c'est, mais... Allez, on y va. Hop, petite aventure dans les grottes de Changshou Island. Là, on est vraiment en mode aventurier de l'arche perdue. T'imagines là, on s'imagine Indiana Jones qui sort de là, en courant avec des pygmées qui lui courent derrière avec des sarbacanes. Allez, on descend, on continue à descendre. Je ne sais pas où on va. Ah oui, on s'enfonce. Je ne sais pas. A priori, c'est la fin, là. Non, c'est la fin, c'est pas la fin. On peut y aller à l'intérieur ou pas? Ah là, a priori, on peut y aller. Il y a des escaliers. Ah ouais. Donc là, on est là. Et we can go down.
Comme. Wow. Come, don't be afraid. Come, the spiders are not so big. And the snakes are not so big, you can come. Tu vois? Et hop. On est dans cette espèce de... Ah, puis là aussi, il y a un... On peut passer par là, on peut... Ah, le chemin... Il est là et on récupère là. Mais j'ai envie d'aller là, là, pour voir un peu ce que ça donne. Exploration, mesdames et messieurs. Exploration. Bon, allons voir par là. Qu'est-ce qu'on va trouver par là? Parce qu'en fait, le chemin, il continue là, entre les rochers, là. Allez, hop. Et où est-ce qu'on va? Waouh! Ah ouais, ouais, on récupère la plage. Enfin, pas la plage, on récupère la promenade. Pratiquement toutes les îles à Hong Kong, c'est bien balisé le tour. Enfin, généralement, tu vois, tu peux faire le tour de l'île proprement. Et là, tu vois, bon, c'est pas une calanque à la marseillaise, mais des petites plages comme ça, il y en a un peu partout. Tu vois? Et on voit là, on va peut-être voir, on va y aller. Là, il y a un site de campement. Il y a des espèces de tentes géodes là-haut et tu peux camper là-haut. J'avais vu ça sur l'office du tourisme. Magnifique cette petite promenade autour de l'île de Peng Chau. Non, Chang Chau. Ah. Entre Peng Chau et Chang Chau, chaque fois je me trompe. Anyway, jolie petite balade avec les cigales, toujours. On se croirait presque un peu dans le sud, quoi, tu vois, ces petits palmiers là, tu vois, c'est... Si tu me dis on est vers Cannes, tu vois, avec ces petits rochers et tout, ça le fait presque. Alors voilà, elle est là la petite plage en question. La petite plage que j'avais vue avec le drone. Et alors ici, par exemple, par rapport à la Méditerranée, l'eau, elle est pas bleue. L'eau, elle est verte ici. Je sais pas si ça a à voir avec la couleur du ciel ou la salinité ou un mix des deux. Ou à cause de la faune et la flore surtout. Mais j'avoue que là, c'est pas mal. Et tu vois, on est quand même dimanche. En mai, fin mai, il y a personne, quoi. Il y a personne parce qu'il fait une chaleur de bête. Et les Hongkongais, en fait, qui sont tellement habitués à l'air conditionné, dans ce genre de cas-là, les Hongkongais, ils restent chez eux, quoi. Ils sortent pas. Donc là, on est redescendu du fond de l'île où on était. On voit ici, là, le petit port avec le pier pour le bateau. Et là, on se balade dans les petites rues, on est un petit peu en hauteur. Et je sais pas, j'essaierai de zoomer, mais au fond, c'est Hong Kong. Alors voilà, on a trouvé la plage, la grande plage de Chang Chau. Je vais aller faire voler le drone là-haut au petit pavillon qui est là. Et comme vous voyez là, en fait, en face de nous, c'est Hong Kong.
Et ce qu'on voit là, en fait, c'est le sud de Hong Kong Island. Derrière ces montagnes, c'est vraiment la ville de Hong Kong, la pure ville de Hong Kong. Et on voit là le haut de la tour de ICC, International Commerce Center, je pense. Moi, j'habite au pied de là. Et là, sur la droite, on a l'île de Lama Island, avec les très reconnaissables trois cheminées de la station électrique. Je vais aller faire voler le drone un peu partout là autour pour vous montrer un petit peu cette île. Et là, on voit bien, vous voyez, on est à 30 minutes de bateau du centre-ville. Et on est sur une petite île sur laquelle on a une dizaine de petites plages, toutes petites, avec pas beaucoup de monde. Et cette grande plage qui est là. Regardez ça. Voilà une espèce de chalet Eggenberg où on va manger. Tu vois, regarde. On va manger de la saucisse. Bon, c'est un mix western asiatique. Et tu vois le. On a la paire de skis à l'ancienne, quoi. Tu vois? C'est genre la fête de la bière. C'est vraiment chalet suisse, fête de la bière, avec le tonneau de la bière et tout, tu vois, les bacs à fleurs, comme si on était en Allemagne, ou en Suisse, ou dans un pays à bière, quoi, tu vois, et regarde les volets avec les petits cœurs. Et là, t'es dans une île au large de Hong Kong. Il fait 40 000 degrés à l'ombre, 200 000 degrés au soleil. Il fait plus humide que dans un hammam. Et tu te dis, on va se bouffer un jarret de porc avec des frites et des litres de bière. Jamais de la vie. Allez, on va attraper le ferry, on va rentrer. On aurait pu rester plus longtemps et se promener plus longtemps, mais sérieux, il fait tellement chaud que c'en est même pas agréable, en fait. Allez, hop, on prend le ferry pour Central, on prend celui qui met une demi-heure seulement. C'est lui! C'est un catamaran, en fait. Et on va aller sur le pont du dessus. Allez, voilà, c'est climatisé là-dedans, il fait bon. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait bon. Quel plaisir. Il fait tellement chaud, mais tellement chaud qu'en fait, il n'y a personne là. Et que moi, qui suis complètement suffisamment abruti pour pouvoir vouloir faire la randonnée comme ça.